Yo, c'est Rafou Bel, on se retrouve pour un nouvel entraînement. Aujourd'hui, je vais mettre toute mon âme à crier en faisant des websters dans les rues de Nîmes. C'est hyper drôle à faire, c'est vraiment très très drôle. Je vais vlogger ça avec vous, let's go. Voilà, je vais m'échauffer la voix tranquillement, je vais faire des websters en, pas en criant, mais en m'échauffant la voix. Bah, je vais essayer les websters en enchaînement en flat. Ça me demande énormément d'énergie. Faut que je me prépare un peu physiquement avant d'en faire pour pouvoir crier. J'ai pas envie d'arriver sur place, crier, devoir recommencer. Surtout que là, il y a du monde, donc voilà, je vais m'échauffer, let's go. Bah en ce cas on va à la maison carrée directement là où je vais crier en faisant des websters. J'ai les jambes hyper claquées aussi, il faut savoir que là je m'entraîne, ça fait 2 semaines que je m'arrête pas. Donc mes websters sont un peu laborieux quoi. Et là j'ai trouvé un sol un peu mieux que celui de tout à l'heure. Et mes websters je vais les faire exactement sur le même sol mais de l'autre côté, là où c'est bien plus fréquenté. Je vais en faire 5 je pense quand je le ferai. Mais en criant je vais m'essouffler beaucoup plus vite. Ouais. C'est toi qui as 200 000 abonnés. Ouais. Aussi encore. Ah ouais. Ouais, c'est parti, je vais me chauffer, je vais crier un coup là. Ah, c'est bon, je suis chaud. Il y a tout le monde qui va me regarder, c'est sûr à 100%. J'aime pas quand faire des saltos déjà quand il y a du monde, mais là je vais crier donc je vais attirer attention sur moi obligatoirement. Même des gens qui ont le dos tourné, ils vont savoir que je suis là. Et ça c'est gênant. Donc j'aimerais bien le faire qu'une fois. Vas-y, je vais caler vite fait. Comment je vais placer le téléphone? C'est bon. Donc on a trouvé le petit angle de vue. Je vais plus avoir de voix avant la fin de la journée. Ouais. Okay. On dirait un malade mental. Bon, on vient de faire la première scène là. Ça s'est bien passé. J'ai pas l'impression qu'on m'a trop jugé. Une personne qui a applaudi, donc ça veut dire que c'est bon, c'est positif. Non, il y en a deux qui ont fait. Ouais. Ah ouais, bon, mais là on va aux arènes de Nîmes. Allez, c'est parti. Hein. On vient tout juste d'arriver aux arènes. Très très beau les arènes, très très beau. Faire les websters là et je vais partir en diagonale. Il y a Mister qui est déjà prêt à filmer là. C'est magnifique. Photographe professionnel dans la vie active. Donc allez le follow. Way photographe. Sur Instagram, je mettrai Instagram ici là. Ça dégomme les pieds ça. Et là c'est un peu mieux. C'est genre un couloir bien stylé pour faire des websters. Donc faut que je reste dans l'alignement pour pas me faire mal aux pieds. Le sol est bien moins crade que là. J'ai vraiment pas envie de le faire 1000 fois. T'es chaud? J'y vais. Faut que je refasse. Ah, deuxième prise. Faut que je refasse. C'est casse-couille parce que vu que c'est bancal comme ça, il y a des papiers mamie là, ils vont avoir trop peur. C'est le moment. C'est... J'ai pas envie de leur faire peur, hein. C'est pas mon but premier. Mais en tout cas, ça, il va avoir une réaction et ça, c'est bien. Ah, le gars avec la chemise bleue, il t'a tellement mal regardé, il s'est écarté. Bon, on vient tout juste de finir la scène aux arènes. Let's go les chapitres. J'ai un petit enchaînement Webster par-dessus des marches d'escalier au chapitre et après ça va bouger à Tourmagne, voilà. On vient d'arriver à la place des chapitres. Donc les Webster que je veux faire, c'est juste là. Webster, ah. Alors là, on est en train de tester les angles de vue. Je sais pas trop d'où le filmer pour que ça rentre bien. Bon, on va le faire en deux fois. Je vais le faire en criant où Ludam filme d'ici et une filme d'ici. Comme ça, au moins, on aura les deux bonnes prises. Let's go, on bouge, on va à Tourmagne. On vient tout juste d'arriver au Jardin de la Fontaine. Et là, j'ai un combo que j'aimerais faire à la base, que j'avais imaginé et que je ne vais pas pouvoir faire. C'est faire un conque front, enchaîner Webster par-dessus les marches. Sauf que là, il y a une flag juste là. Et là, il y a une flag sur le départ. Casse-couille, hein. Merde. Hein. Du coup, j'ai imaginé peut-être faire front par-dessus le mur là et renvoyer Webster en bas là. En criant, bien sûr. Shit, c'est mort. Alors, hein? Enchaîner un Webster, c'est mort. On bouge de spot là, j'ai rien pu faire ici. De 1, il y a trop d'enfants. De 2, il y a trop de gravier. De 3, il y a une plaque d'eau. De 4, j'en ai marre. On va à Tourmagne. On vient tout juste d'arriver à Tourmagne. Et en fait, il n'y a pas trop d'endroits où faire les Websters. Où je pourrais rentrer dans le champ. Je pourrais sortir du champ, mais je pourrais pas faire des Websters en rentrant dans le champ. On va bien à Tourmagne, on va me voir arriver. Et ça sera bien stylé, mais par contre il n'y aura pas d'entrée de chance et tout. Donc on va faire des tests, on va faire des tests. Ok, bon, changement de plan, je vais faire un truc hyper chevilleux. Partir en diagonale ici. Il y a Luda qui me filme de là, et il y a Tourmagne là, et je vais passer dans la diago là. Mais c'est vraiment chevilleux en fait, niveau gravier tout ça. Envoyer des Websters, c'est dangereux pour les chevilles.
Ok, c'est parti pour faire la scène en criant. Let's go. Il y avait un petit brouhaha, tout le monde s'est arrêté de parler. Ça fait. Je recommence, j'étais pas assez dynamique. J'ai raté mon premier appui et du coup ça m'a fait faire de la merde. Le chien il est peur. Le chien il est peur. Allez, allez, allez. Yes ouais. Il a quoi? Il a fait un corps. Il a fait un corps. Ça y est, on vient de finir enfin de crier. Et ça me fait du bien. C'est bon, je vais pouvoir reposer ma voix un peu. Nope. Oh, je mange mes oeufs. Bah finalement, nous revoilà 2 jours plus tard. Je n'ai pas encore fini de crier. Tout simplement parce que je trouve ça pas cool, le fait de que ce soit une boucle. Je trouve ça bien plus fun. Le fait de courir en criant, commencer les websters. Et à la fin de la vidéo, faire des websters et finir en courant et en criant. Le seul problème, c'est que là, va y avoir des crocs faux raccords. Il fait tellement gris. Et il s'avère que j'avais les chaussettes farang le jour du tournage. Et là, j'ai une chaussette. Et l'autre... C'est pas étouffant que c'est un petit chat. Donc voilà, j'ai perdu une chaussette. Bref, du coup là je suis tout seul. Je vais mettre le trépied par là et faire le webster ici là. Youhou. La vérité c'est que je ne sais pas encore comment je vais finir la vidéo. Est-ce que je la finis de manière classique en courant et criant toute ma race, ou est-ce que je la finis de manière un peu plus fun? Moi j'avais pensé à sauter dans une piscine en webster plongeant un bail comme ça, ou genre atterrir dans un buisson à la fin ou me casser la gueule, j'en sais rien. Je cherche, j'ai plein d'idées mais je ne sais pas. Je cherche une fin, c'est la recherche d'une fin. Bon attends, je vais me chauffer là. Il faudra que je sois plus dynamique hein. Voilà, donc j'ai posé la cam là, c'est le téléphone. Le but c'est que en fait on me voit directement dans le champ dès le départ. Et je commence à courir, crier, je fais des websters et là je suis en sortie de champ après. Et ça enchaîne sur les autres. Je vais également chercher à faire une petite scène. Je vais tenter ça là dans la pente. Poser le téléphone là, je l'ai mis un peu en contre-plongée. Ok, je bouge. Bah j'ai rejoint Nino, là on est au jardin de la fontaine et on cherche un buisson où je pourrais foncer dedans, peut-être la première. Là j'en ai trouvé un, ça fait un petit trou et je ne sais pas si c'est dangereux. Putain, ou pas. Le banc qui gêne, c'est dommage. Bah, je partirai du banc. Webster, youhou. Ça m'a l'air hyper dangereux, je vais me faire mal. Oh, des dangers publics les gens. Genre ça là, c'est pas cool. Putain, mais quelle bande de trous du cul. Ouais. Oh, ça le fait trop bien. J'en ai plein les cheveux. Oh. Bon, qu'est-ce que vous pensez de cette fin? Moi personnellement je trouve un manque de piment. Dites-moi ce que vous en pensez parce qu'en fait moi je suis dessus sur cette vidéo là depuis 2 jours. Du coup je ne sais pas du tout si c'est cool. Donc mettez-moi ça dans le poteau. Je vais quand même tenter le poteau, voir si je me mange un poteau ou pas. Bon alors là j'ai fait des tentatives de mangeage de poteau et je suis très mauvais. Là on voit déjà la trace de mon front. J'étais. On voit la trace du panneau. Ah ouais. Merde. Ça fait mal, j'ai pas la technique du tout, on voit ma main à chaque fois. Je suis vraiment pas un cascadeur hein, c'est pas quelque chose que j'ai travaillé dans ma vie. Donc ouais, c'est un peu la merde. Là je fais les websters, tout et mangeage de poteau. En plus c'est étroit, il y a la route, c'est un peu la merde, c'est pas le meilleur endroit. Je peux pas, il est trop bas. Trop, putain, j'ai l'inverse de ce que je veux dire. Le poteau est trop haut, du coup je suis obligé de sauter pour me le manger, je suis trop petit moi. Si je faisais 1m80 c'était bon, mais là j'ai le front rouge pour rien, je suis dégoûté. Ok, j'ai trouvé un mur trop cool, enfin Nino a trouvé un mur trop cool pardon. Et il fait plein de bruit, c'est nickel. Donc en fait c'est le mur qui va me stopper dans mes websters. Et ça va être marrant, ça va être très très marrant. Une réaction? J'ai mal au coude. Pourquoi j'ai mis mon coude? C'est la pire de technique. Je vais me prendre directement la tête dans le mur parce que ça me fait pas mal, il fait pas mal. Ça sera beaucoup plus réaliste. Là ça faisait trop cascade. En plus je me suis vraiment niqué le coude. Je préfère me prendre la tête dedans. Par contre je vais perdre beaucoup trop de neurones, donc je vais éviter d'en faire beaucoup trop.
Bon, c'est bon, j'ai fini, j'ai mal à la tête. Je vais en rester là, je crois. Oh, j'arrive pas à faire plus réaliste. Vraiment, je me suis fait mal pour de vrai. Ça peut pas être plus réaliste. Aïe. Bah, finalement, on est revenu ici. Alors, changement de programme. J'avais pas envie de faire la roulade dans les buissons pour rien. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une prise où je sors des buissons et je fais un webster en descendant. Aïe, attends, je me suis vraiment niqué. Oh, ça t'a stoppé net. Oh. J'ai eu une branche dans l'œil. Oh, j'ai mal la tête. Oh. Bon, fin de tournage, je suis content du résultat, même si j'ai perdu max de neurones. Je compte sur vous pour lâcher un maximum de pouces bleus. Lâcher autant de pouces bleus que ce que j'ai perdu de neurones. Ça va faire beaucoup de pouces bleus, ça. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Je vous dis ciao, ciao, à très très vite.